Salut la VOD, nous sommes en bonne compagnie avec Métalleux Curieux, Mavou et Chapi Chapeau. Du coup, on va tenter le Mantis B pour la première fois. Et là, le premier truc que je vois ici, c'est Don't Panic. C'est faux. Bonjour YouTube. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ah oui, on n'a pas d'armes. J'avais pas vu, on n'a pas d'armes du tout. Fort bien. On a une TP à 1. C'est nul. Voilà. On va faire un upgrade direct, comme ça on a zéro thune. Ah, qu'ils sont polis, mes petits viewers. C'est fantastique. Donc on n'a pas de missiles, on a des drones, on a un peu de fuel, on a deux boucliers. On peut utiliser les drones de défense et d'abordage. Bon, bah on va voir, hein. J'ai déjà peur en vrai, hein. D'accord, super. Ok, alors. Ah, puis il s'en va en plus, ce bâtard. Ok, putain, j'aurais dû mettre mes mantis là-dedans. Donc, on va envoyer des mantis ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai augmenté à 2 ma TP ici? Parce qu'en fait, le timing est hyper serré quand j'envoie des mantis dans les vaisseaux automatisés comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Donc en gros, mes mantis vont perdre de la vie graduellement. Et en fait, juste avant qu'ils ne crèvent, la TP de niveau 2 sera redevenue active. Ce qui n'est pas possible avec la TP de niveau 1. Le vaisseau a une bonne bouille, je suis d'accord. Donc là, du coup, je m'attaque au pilotage en premier, ça m'emmerde. Parce que voilà, lui, il me tire dessus. Ah, ils ont déjà fini, très bien. Par contre, là, ils sont obligés d'attendre comme des débiles. Parce que, bah, il n'y a pas de porte avec le reste. Donc là, je suis très bien. Voilà, ils commencent déjà à perdre de la vie. Stop, voilà. Dès que la TP est redevenue active, on met pause et on revient. Donc c'est vrai. C'est vraiment chaudard du cul. Mais pour le coup, j'ai vraiment vraiment pas le choix. Mais attends, je suis en train de me dire, je... Mais attends, mais je peux pas gagner. Mais non, mais je suis con. Je suis complètement con. Je ne peux pas détruire ce vaisseau, en fait. Enfin... Mais non. Oh, putain, mais je suis complètement con. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup du tout. Je vais relancer. Je vais relancer, je vous explique pourquoi. Le truc, c'est que... Ce qui est bien en abordage, c'est qu'on peut donc tuer l'équipage en face. Et une fois que tout l'équipage est mort, en gros, on a gagné leur vaisseau, entre guillemets, on a de meilleures récompenses. Là, le truc, c'est qu'il n'avait pas d'équipage à buter, donc en fait, il aurait fallu que je détruise le vaisseau. Ce qui n'est pas possible avec juste en cassant des pièces comme ça avec mes membres d'équipage à moi. Donc en fait, non, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien du tout ce que je faisais. C'est idiot. Bon, allez, c'est pas grave, on recommence. Petite bourre de démarrage, ce n'est pas grave. Faut que je me remette dedans, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué boarding. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est vraiment pour toi, Nicolas, hein. Ok, super, fort de la gueule. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, il ne peut pas me faire de mal, le vaisseau adverse. De rien, Nico. Il ne peut pas me faire de mal parce que là il a son drone niveau 1, donc il va me faire tomber un bouclier. Mais comme j'en ai deux, le rayon ici ne passera pas. Donc, c'est nickel. Donc, du coup, on va péter la gueule au pilote. Oh non, c'est un NJ en plus. Boarding, c'est l'air d'être la bonne merde. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme les nébuleuses quoi. Il y a des bonnes récompenses, mais les risques sont là quoi. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais, Nico. Tu vois, en gros, je perds l'aggro. Et je la reprends, et je la repère, et je la reprends. Ouais, Solar Flare, évidemment. Alors là, par contre, c'est un peu chaud. Donc, je vais les faire revenir. Solar Flare. Ouais, putain, alors Solar Flare. Ok, dans l'oxy... Ah putain, il m'a pété l'oxygène! Lol!
Ouais, je commence direct avec deux boubous, ouais, c'est le délire apparemment de ce vaisseau. J'ai envoyé un drone d'abordage le temps que je répare l'oxygène. Refermons les portes. Ah bah voilà, ah bah tout le crew est mort. Du coup on a 4 fuel et 32 scraps. Alors des mantis pour réparer, mais la blague quoi. Alors dépêchez-vous, par contre, ils sont à 2, ils vont tellement lentement. Quel enfer. Putain, mais ils vont déjà crever. God, please. Merde. Là je rouvre la porte histoire que... Ah putain, mais l'oxygène est baisé encore là. Ah putain. Super, j'adore. C'est génial. Non mais quoi? Ah mais oui. Ah j'ai 4% d'oxygène. Salut Gigabong. Ça fait longtemps, dis non. Ok, alors du coup je vais relancer. Putain. C'est le deuxième restart. Et j'ai commencé il y a 10 minutes. Ok. Ça va être compliqué cette histoire. Ça va être très très compliqué. Comment ça va Bastien? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, c'est cool. Ah putain, mais non, oui, mais ça sert à rien ça. Bon bah du coup je vais rester là et puis attendre... Ah putain, en plus il m'a pété les boucliers le bâtard. Je vais attendre que le FTL charge parce que là je ne peux rien faire contre lui. Allez, il m'a pété les portes. Ah ouais, mais attends, si je vais réparer... Si mon FTL il charge quand même. Ouais, il charge lentement. Ouais. Quasiment un mois que je peux plus voir les lives. Ah oui, merde. Ah putain, non mais les boucliers, sérieux. Ok, alors, d'accord. Je vais m'en prendre plein le cul. Je commence déjà à m'en prendre plein le cul, en fait. Putain, c'est l'enfer. Ouais, bon, la main bête, tant pis, hein. Enfin, sinon, j'aimerais bien m'en aller. Merci pour l'esquive. Putain, mais le FTL. Charge plus vite ta mère. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, écoutez, une brèche, on s'en fout. Parce que là, en fait, je me fais allumer pour rien. C'est excessivement frustrant. Ah non, pourquoi est-ce que j'envoie un... Ah si, il va taper le truc. Ouais. Non mais enfin, s'il te plaît, va taper les armes en fait. Ok. D'accord, d'accord. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser sur cette session. God, please. On va faire ça. Faut que je pense à utiliser mon drone d'abordage du coup. Renouer le vaisseau en vaseline. Putain, c'est clair. Donc là, c'est plus à sec là. Hein. Le magasin, bah j'ai pas de thunes donc ça sert à rien d'y aller. Je vais aller par là et. Oui, et ensuite faire le reste. Ok. Ah, excellent. Super. Ok, ils ne peuvent rien nous faire parce que ça, c'est un drone rayon et là, je crois que c'est. Attends, il tire une fois ou deux celui-là. Je ne sais plus. Faut une sacrée moula quand même pour commencer avec ça. Non mais putain, quelle horreur quoi. Parce que... Ouais si, je pourrais mettre un drone de défense, mais là ça me servira à rien. Ça... Ah si, le drone de défense, ça contre les missiles, faut que je pense à ça. Le vaisseau bite, le vaisseau vasine, c'est ça. Ok. Oh, mon drone d'abordage est mort. Ok. Stop. Ah putain, merde, la TP. Donc là, on va attendre que le drone d'abordage revienne. Tac, c'est reparti. Non mais s'il te plaît, par contre... quelque chose, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas d'infirmerie en face. Ça, c'est une très bonne chose pour nous. Ils vont bien se faire casser la gueule. Ah, tu bugs trop, merde, dommage, Bastien.
Ok, donc on a une récompense, c'est cool. On va pouvoir fermer les portes, rouvrir histoire que l'oxygène revienne plus vite. Putain, il va encore y avoir du feu. Alors. On ouvre là. On ferme ici. On ferme ici. On ouvre là. Là, l'ATP est bientôt, enfin, bientôt réparé. Lol. Bah oui, reviens-nous vite, oui. Des bisous. En ce temps-là, le vaisseau adverse se fait cramer la gueule encore. Très bien. Alors, vite, retournez à vos postes. Et on se barre avant que on se reprenne une éruption solaire dans la tronche. Ok. Ouais, bon, on verra plus tard pour la. Mais oui, tout à l'heure, en fait, j'ai été con. Tout à l'heure, j'aurais pu m'en sortir là contre le vaisseau qui avait des missiles et un petit laser à la con en déployant mon drone de défense. Parce que les drones de défense, ça tire sur les missiles. Les drones de défense 2, ça tire sur les lasers. Donc, ça, évidemment, ça n'annule pas tous les tirs de laser, hein, faut pas déconner. Mais voilà. Oh, putain, c'est pourri ce secteur là, je veux pas faire grand chose. ouais, allez hop, on va attaquer les rebelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des connards. J'envoie un drone d'abordage parce que eux vont m'aborder. Donc je vais laisser les mantis. Voilà, dans les portes. Gros bâtard. Est-ce que je l'asphyxie? Je vais l'asphyxier. Quoique, non, parce qu'en fait, bah, j'aurais pu manager des portes, ça aurait été cool, mais là, non. Ok, donc ils peuvent pas me faire de mal en face, ça tire qu'une fois, chaque laser ne tire qu'une fois. Ça, c'est une bonne chose. L'autre, il prend cher. Tournez à vos postes. Toc. Bon, laissez faire sa petite affaire. En fait, le truc avec le boarding, c'est que c'est long, quoi. C'est quoi l'idée? C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? Ah, il y a encore du monde en face. Défi du soir. Là, c'est d'essayer de faire une run avec ce... avec ce putain de vaisseau de ces morts. Donc, je vais renvoyer un drone d'abordage. Oh, quoique... Non, je vais économiser un drone. Bah là, pour le coup, ouais, je suis un peu obligé de faire que des abordages, c'est ça le truc. Yes, trustworthy autopilot. Je sais pas exactement ce que c'était ce... Un crâne ennemi avec tout... Bon, je sais pas, je verrai plus tard. On va essayer de voler les trucs. Non, ça ne marche pas, d'accord. Là, le truc, c'est que ce vaisseau-là, en fait, il est vraiment spécial abordage. Donc c'est compliqué. Ça prend du temps, les abordages. C'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Bon. Oui. Oui. 8 scraps pour augmenter le pilotage, c'est pas cher payé du tout. Donc c'est... Je prends. Je prends, je prends. Je sens que ça va être galère de ouf. Attaquer le pirate. Alors, ils ne peuvent pas nous faire de mal, encore une fois. Je vais rebalancer un drone d'abordage. Pof. Bon, limite, non, ouais, je vais aussi envoyer mes bons hommes. Attends, hop, petit coup là-dedans, viteuf. Voilà. Une fois que je pense à réparer... Je pensais à réparer la brèche, mais le truc avec des mantis, c'est qu'ils réparent tellement lentement, c'est l'enfer du cul. Il y a encore du monde en face, ouais, voilà. Ok, donc ils ont pris cher. Oh, double récompense, excellent ça. Ouais, on va se.
soigner un petit peu, les gars. Voilà. Il me faudrait un NJ assez rapidement, histoire de pouvoir faire des réparations, parce que les mantis, même à deux, c'est beaucoup trop long, quoi. Voilà, j'ai été sûr que ça n'allait pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouf. Bon, alors, drone de défense. Drone de défense obligatoire. Ensuite... On va passer à l'abordage, hein. Voilà, donc là, le drone de défense tire sur les missiles. Oula, putain, déjà? Allez, revenez, les gars. On réparera ensuite, hein. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Donc, les ions ne peuvent pas pénétrer deux boucliers. Là, ça devrait le faire, normalement. Ouais, voilà, le deuxième bouclier revient en ligne avant que le deuxième ion me fasse chier. Donc, c'est cool, en vrai. Donc là, le vaisseau est sauf. Notre vaisseau, y a pas trop de soucis à avoir par rapport à ça. Faut juste qu'on voilà, gère bien la gymnastique. Ouf. Ok, putain, j'ai quand même pris des dégâts. Hein. J'ai quand même pris des dégâts. Compliqué et long, malheureusement. Ah, ma run avec 4 Burst Laser 2, c'était plus rapide, hein. Ah bon. Ok, ok, ok. On va jump, hein. Ça va être long et dur, c'est clair, pas comme ma bite, hein. J'ai envie d'exploiter un petit peu le secteur là parce que... Oh, génial. excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a quelque chose qui ne peut pas nous faire de mal. Donc on va essayer de les aborder. Allez. Un mantis, un humain. Faut faire attention. Même ce qui est long et dur comme Hollow Knight. Ah, t'es toujours en train d'en chier dessus, toi. Alors, ils n'ont pas de medbay, donc... nous, on peut revenir. Pépouze. On va se soigner. Puis on va revenir pour les achever. Voilà. À partir du moment où ils commenceront à avoir des medbay... et ce genre de choses, ça... Putain, c'est relou, ça. Là, ça va commencer à être un peu chiant. Mais là, pour l'instant, ça va. Donc là, on va les crever gentiment. Voilà. Ok. Ouais, bah, du coup, faut qu'on attende le retour de l'ATP. Ah putain, l'oxygène. J'avais pas vu l'oxygène. Oh ta race, j'avais pas vu que l'oxygène était dead, donc notre vaisseau a été vulnérable. Bah oui, avec les astéroïdes en même temps, je suis con. Putain, ça diminue tellement vite l'oxygène, 35%, 34%, 33%. Bon, ça devrait l'effectuer, hein, mais c'est chaud. C'est chaud, mais ça va le faire. Voilà. Bon, vraiment, ça remonte à peu près aussi vite que ça partait, voire plus d'ailleurs, plus vite. Faut vraiment des NJ. Enfin, là, il me faut plein de membres d'équipage, en vrai. Il faut vraiment plein de membres d'équipage. Il me faut un ou deux NJ pour gérer les réparations. Il me faudrait, bah, dans l'idéal, deux mantis pour faire des abordages à 4. Et puis des gens dans... Enfin, remarque, j'ai pas d'armement, quoi, mais... des gens dans les boucliers, des gens dans les moteurs, au pilotage, etc., de manière permanente, quoi. Ça va être costal.
Là, je prends juste le temps de faire revenir l'oxygène. J'ai 124 thunes. Je vais pas dépenser mes thunes dans les upgrades maintenant. Je pense que je vais plutôt attendre d'éventuellement tomber sur un magasin. Oui, je sais le jump possible, ouais, m'avoue. Je sais. Mais j'attends juste que ça revienne bien. Voilà, hop. Allez, on fait un dernier saut et puis la sortie. Ah, pas de combat ni rien. En tout cas pour l'instant. Ouais, marqueur de quête au prochain secteur. Allez, on retourne à la sortie, on se barre. Ouais, du coup, hop, on l'avait déjà visité ici. Next sector. Oh, une nébuleuse. Ah, ta bonne race. Je vais aller chez les pirates, hein, pour ensuite passer par les secteurs verts, ici, là. Parce que, pff, nébuleuse, quoi. Quel enfer. Là, j'ai besoin de toutes mes cellules d'énergie. Et les nébuleuses, c'est trop. Oh putain, la quête, elle est loin. Oh, elle est si loin. Ah, oh, ta grosse race, il va falloir que je fasse des allers-retours de con. Oh là là. Ah, mais je suis obligé de passer par là en plus. Par les nébuleuses. Oh, le secteur est tellement mal branlé. Oh. Putain. Pas besoin d'aller-retour. C'est-à-dire, mettez-le. Tu peux pas passer par en haut? Non, je crois pas. Pas pour aller à la quête en tout cas. Putain, c'est pas terrible ça. Hein. J'ai pas le choix, putain, faut que je prenne un humain à la con là. Je vais laisser la. Je vais laisser les mantis dans la TP. Toc. Mara, ce sera Mavu du coup, parce qu'il n'a pas eu son petit personnage. Toc. Ok. Du coup, Mavu, tu es pilote. Tu garderas un peu d'esquive dans le vaisseau quand on n'y sera pas. Enfin, quand Métalleux et Chapeau n'y seront pas. Non, tu vois, je peux pas passer par en haut, Nico, parce que là, je peux. Et après, pouf, ça s'arrête. Voilà, je ne peux pas aller à la quête. Ça se joue pas à grand chose, je pense. Hein. Mais je ne peux pas. C'est désolant. Bon, on n'a pas perdu d'énergie. Oh putain, on gagne un Rockman. Yes. Excellent, ça. Oui, tu pilotes, Mavu. Alors, on a un Rockman que je vais mettre dans quoi? Dans les moteurs, histoire de garder un peu d'esquive. Poc. Allez, ce sera Gigabang, même s'il n'est plus là, le pauvre. Il reste dans nos cœurs. Évidemment. Alors, paf. Bon, alors déjà, on a un crew de manière permanente dans le vaisseau qui peut nous apporter un peu d'esquive en étant au pilotage et dans les moteurs. Donc comme ça, Métalleux et Chapeau peuvent aller désinguer du mob, entre guillemets, en toute tranquillité. Ah, Distress, Store, ça c'est pas mal. On va faire Distress, le point à la con, le store, et ensuite, voilà. Alors, Heldem, oui. On va mettre le drone de défense pour éviter le missile. Puis, puis nous allons aborder le vaisseau, en fait. Ils n'ont pas de... Comment dire? Ils n'ont pas d'infirmerie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, un Zoltan. Alors, faut faire attention, parce que les Zoltans, ça explose quand ça meurt. Voilà, boum. Un Rockman et un NJ. Bon, le NJ, pas trop de difficultés. C'est pas du tout un pro de la baston. Non, on n'a pas d'assurance vie, non. Ça va l'effectuer. Putain, il tape tellement peu fort, le NJ, c'est la folie. Voilà. On a fait en une seule phase de TP, c'est très bien. Double récompense, c'est cool. Ok. Donc maintenant, paf. Ensuite, ah bah tiens, je vais réparer la brèche avec ces deux couillons là. Ce sera toujours plus rapide qu'avec les mantis là. Mutuelle de clonage. Alors non, mais par contre, il y a des bêtes clonage qui existent, mais dans l'édition avancée du jeu. Je ne joue pas en édition avancée là. Donc, mais non, il y a une bête clonage qui existe et ça, c'est très pratique. En gros, ça remplace la mètre baie. L'inconvénient, c'est que quand tes mecs meurent, donc ils sont clonés. Au bout d'un petit cooldown,
Par contre, ils perdent un petit peu de leur niveau. Donc les niveaux, c'est voilà, c'est les petites barres vertes qui sont là. Donc ils perdent un peu de niveau. Ça, c'est un peu chiant. Mais en vrai, c'est cool parce que bah voilà, tes mecs reviennent quoi. Alors, parce que tu me files un vaisseau sans armes, moi je te le transforme en bélier. Alors, t'as pas intérêt. Sinon, je te casse la gueule. Alors, 171 thunes, c'est pas trop mal. On fait ici, ensuite le store, faudrait que j'achète de l'essence, que je me répare un brin. Alors, oula, par contre, là, Burst Laser 2. Et ça, c'est pas cool. On a une petite bombe en face, c'est pas cool non plus. Ça ne sert à rien d'envoyer un drone de défense. Je vais faire boarding. J'ai dit, je vais faire boarding. Et. Hop, abordage dans la salle ici, histoire de casser la gueule de. Paf! Bon, alors, ouais. J'aurais préféré que ça aille autre part, mais c'est pas grave. Ça, par contre, ça peut faire mal. Ouais, bon, ça va. Oh putain! Alors, par contre, là, la TP en vrac, c'est pas cool du tout. Parce qu'évidemment, j'en ai un peu besoin quand même. Non, ça va l'effectuer. Voilà, stop. Toi, par contre, tu vas te mettre là. Voilà, très bien. Faut vraiment jongler de ouf, en fait, avec la TP, c'est pas évident. Donc là, je peux les ramener, déjà. Voilà. Heureusement que t'as d'autres chromates, sinon au TP back, tu serais... Exactement. Exactement, Nico. De toute façon, c'est typiquement le genre de vaisseau avec lequel tu fais des moult restarts. C'est l'horreur. Bah, t'avais bien vu, hein, je t'avais envoyé mes vidéos VOD sur le Mantis A. J'ai 3 VOD. La deuxième, c'est l'enfer. J'ai restart je sais pas combien de fois. La vidéo, elle fait 2 heures. Enfin, voilà quoi. Je vous ai fait des infidélités. J'ai tenté de revenir. Oh, sans nous! Oh le salaud! Bon, j'étais pas trop dispo hier soir de toute façon, donc voilà, mais. Parce qu'on a fait un stream avec Bambi et puis après on s'est maté un film. Alors, le magasin. Et du coup, t'as réussi ta run, Nico? Ta run Mantis A? Enfin, si tu as continué la run Mantis A. Scrap Recovery Arm, oui, je prends. Cloaking, ouais, mais là je peux plus. C'est clair, infidèle, ouais. Abusé. Est-ce que je prendrais pas éventuellement un petit menti? Certes, il n'a pas de compétences particulières, mais avoir un troisième, bah pourquoi pas quoi. J'ai réussi parce que j'ai récupéré de bonnes armes. J'ai plus fait une seule TP. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, limite, tu peux éviter de faire des TP. Mais c'est cool, en tout cas, si t'as réussi cette run-là, bravo. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça, tu vois. Non, bah je vais prendre... lui, hein, voilà. Tu vas aller là-dedans. Pouette. Mais c'est cool, c'est cool. Ah non, mais t'es pas obligé de la refaire. Non, non, au contraire, je veux dire, si t'es débarrassé de ça, mon gars, non, non, profites-en. Hein. Parce que c'est tellement atroce, enfin, je sais que j'en ai tellement chié, moi. C'est cool. Oui, allez, on va dire... Aïe! Oh là! Bah, dis donc, ça va, oui? Bon, le Rockman, tu vas aller t'occuper du feu. Toi, tu vas aller là. Vous trois, vous êtes des merdes, mais vous allez quand même réparer les armes, même si, bon, c'est vraiment utile de réparer les armes, vu qu'on n'en a pas. Va aider... Merde. Oh, ils ont réparé le... Incroyable. Ils ont été presque rapides, dis donc. Voilà, réparer les portes, maintenant. Vous trois, vous retournez dans la TP. Ok, allez, tout le monde à son poste. Putain, le Rockman est tellement lent. Et pourtant, il va 25% plus vite. Putain, j'ai déjà tout perdu, tout ça, là. Grâce au phéromone Mantis. Putain, la quête, ça va être chaud, en vrai. Hein. Ça va être vraiment chaud de ouf. Parce que la vague, elle approche à grande vitesse. Ah putain! Je peux rien faire. Je peux rien faire parce que il a un bouclier Zoltan et ça bloque
ça bloque la TP. Je peux rien faire. Donc je vais attendre de pouvoir me barrer. Je suis dégoûté. Très dommage ça. Donc vous voyez, du coup il me faut des armes. C'est vrai que rien que pour les boucliers isoltants, il me faut des armes quoi. C'est bien pendant ce temps-là. Mavu et Gigabang prennent de l'expérience en pilotage et en moteur. C'est pas si mal. Qu'est-ce que j'aime le chorizo? Oui, alors c'est très bon, mais putain, calme-toi, chapeau, qu'est-ce qui se passe? Le mec s'enjaille complètement pour un chorizo, quoi. En même temps, c'est vrai que c'est bon. Je vais en bouffer un, ouais, on avait compris. Qui reviennent, hop là, voilà. On va ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bah, encore un truc de défense, hein, obligé. Ils ont pas d'infirmerie, donc ça, c'est bien. On va pouvoir envoyer nos trois gars. Ah putain, merde, ils ont que les salles à deux. Je sais pas si on peut envoyer trois trucs d'un coup. Ah si, ah d'accord, ok. D'accord, bah oui, mais pourquoi pas. Ok, donc ça passe. Ensuite, il va y avoir l'NJ, mais il va se faire... Voilà. Très bien, ça. Très, très bien. Ouais, alors par contre, voilà, il faut le faire en deux fois, la TP, c'est chiant. Hop, voilà. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Plus l'étiquette, même l'étiquette il l'a bouffé. Ah, un magasin et ensuite la sortie, oui. Dommage pour la quête, hein, si ceci dit. Artisanal, yes. Cloaking noir. Scrap recovery arm encore. Automated reloader, long range scanners. T'as là les long range scanners, ça aurait pu m'être utile, mais en vrai j'ai pas du tout envie de. Et en vrai, ça c'est pas mal, j'ai jamais utilisé la heal bomb, le healing burst, pardon. Mais en gros, ça téléporte du soin pour soigner les gars de chez moi. Enfin, mais ça soigne mes gars et mais ça peut cibler le vaisseau ennemi. En vrai, je vais peut-être la mettre en ligne pour la TP, ça peut être bien. Allez. Bon, j'aurais pu m'abstenir de dépenser un truc, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bah sorti hein. Du fuel encore. Allez. Allez, secteur suivant, Rock ou Mantis. Bah on va aller chez les. Oula. On va aller chez les Rocks. Je sais pas si c'est une bonne décision, mais enfin. Alors, secteur un peu mieux foutu déjà. Quand les points de saut sont un peu plus rapprochés, comme ça on a une bonne vision ensemble. Alors, par contre, les sauts qui servent à rien, merci. Un appel de détresse. On va y aller juste après. Ah! Pas rigolo ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça peut potentiellement nous emmerder ça. Ils n'ont pas d'infirmerie. Je vais mettre ça en ligne au cas où. Et on va envoyer nos petits, nos joyeux lurons. A3 là-dedans, donc allez, viens le Rockman là. Il y en a qu'un qui vient. Quoi cette connerie? Attends, il y a que un membre d'équipage dans leur vaisseau? Ah non, il y en a deux, putain, je suis con.
Bon, on va les avoiner bien gentiment. Qu'est-ce qui fait des tirs sur deux, hein? Marrant. C'était Chapeau qui tirait sur deux mecs en même temps. Très drôle. Ok, bon bah du coup c'était fastoche. Nickel. Bah c'est bien d'envoyer 3 mecs en TP. Bon du coup pas eu besoin de du healing burst. Hop, ensuite... oui bon on va faire distress. Oui, contactons FTL Jammer. Je sais même plus ce que c'est ce truc là. Ah oui, c'est pas mal ça. En gros, les vaisseaux ennemis qui tentent une fuite en FTL, et ben ça, leur FTL charge moins vite. Bon, bon, je remplacerai sûrement ça à un moment. Mais oui, t'es un TOG, mais t'es trop un TOG, Chapi Chapeau. C'est trop bien. Allez, drone de défense pour contrer le missile de Seymour. Toc, on renvoie dans les armes. À deux d'un coup, à quelle coquine ce chapeau. Alors, deux Rockmen. Et encore une fois, Chapeau s'occupe de deux Rockmen en même temps. Quelle endurance. En même temps, tu commences peut-être à être bien en baston. Ah ouais, t'es bien en baston, là. C'est cool, ça. Donc, métalleux... Ouais, en fait, métalleux Chapeau, vous êtes bien en baston, là. Vous êtes déjà, on va dire, expert. Et métalleux, même quasiment maître en baston. Ça, c'est super. C'est très super. Bravo, les gars. Mais juste Mort ici qui vient de débouler, hein. C'est normal qu'il soit pas encore expert. Mais oui, la bagarre, putain. Casser les bouches. Alors, nous avons 200 scraps, c'est bien. La thune monte tranquillement, merci le scrap recovery arm. Ça va, Nico? Parce que, enfin, moi, vu que je joue en anglais, j'arrive vraiment pas à jouer en français, je suis trop habitué. Tu arrives à voir les correspondances avec, avec les trucs français auxquels toi tu es habitué? Alors non, certainement pas, non, pas de truc. Oula, t'es passé en QWERTY, toi. alors. Toc. Ok, donc pas besoin de déployer le drone de défense. D'où je suis passé en QWERTY? T'as dû appuyer sur... c'est quoi déjà? Alt-Shift, non? Ouais, t'en fais pas, j'avais compris. alors. On va envoyer dans les armes encore. Donc là, il y a le Burst Laser 2 qui va nous faire chier, évidemment. Il y aurait eu que l'espèce de tas de merde ici. Ça aurait été cool, mais... On va peut-être se prendre une ou deux touches, quand même. Hein. Parce que là, ça nous fera 4 tirs dans le cucu. Oh, bien. Bien joué l'esquive. 20%, ça suffit. C'est encore Chapeau qui... Bah oui, c'est encore Chapeau qui s'occupe de tout le monde, là. Très bien. Donc ce qu'on notera quand même, c'est que, voilà, donc là on fait de l'abordage, donc en fait on ne détruit aucun vaisseau pour l'instant, on n'en a détruit aucun parce qu'on n'a pas d'armes offensives, et du coup on a 254 thunes. Donc certes on a le scrap recovery arm, mais vraiment le fait de faire des abordages, ça donne de meilleures récompenses en termes de thunas, etc. Clairement. Alors, pas besoin de se réparer, un burst laser 1. Ah. Breach, ouais, mais alors ça prend 3 d'énergie pour ouais, mes couilles. C'est pas super intéressant. Cloaking. Ouais, cloaking, en vrai, je le prends, quoi. Du coup, il ne reste plus que 100 scraps. Ah, attends, il est bon en shield, lui. Qui est dans les shields? Il y a personne dans les shields. J'aime pas acheter des membres d'équipage, mais là, vraiment, il faut que... Enfin, j'en ai besoin, quoi. J'en ai vraiment besoin. Chapeau, tu nous rejoins en réseau et te prends toute la flotte adverse et lui tout seul. Non mais c'est clair, c'est clair, je suis tellement d'accord. Ok, donc là on a le cloak, c'est pas dégueulasse en vrai, donc on a plus beaucoup de sous mais on va se refaire. Ça va être bien, on commence à avoir un équipage pas mal. Ici qu'est-ce que... Bah on va taper le vaisseau. On va envoyer nos fidèles acolytes. Alors il tape un Zoltan, donc il va forcément prendre des dégâts. Mais en même temps le Zoltan a tellement peu de points de vie que... bon, c'est bon, ça va le faire. Paf. Heavy Laser Mark 1, ok. Très bien. Une affaire qui roule.
Alors, 8 lasers, 1. Bon, on a un heavy laser 1, quoi. Ça ne tire qu'une fois. C'est pas terrible. Là, tout de suite, ça va pas nous être très très utile, même pour faire tomber un bouclier ou quoi. Enfin, il aurait tiré deux fois. Voilà, ce vaisseau-là, on aurait pu l'avoir au tir, quoi. Mais bon. Du coup, la métalleux est... ah non, pas encore chapeau, mais métalleux est déjà passé maître en baston. C'est marrant que chapeau ne le soit pas aussi. Vu qu'il arrête pas de taper des gens. Faut peut-être les tuer pour avoir l'expérience. Ça marche, chapeau, des bisous et bon appétit. Merci d'avoir été là. Non, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de tout ça. Oula, non, on se barre, évidemment. Ah, en fait, non, d'accord. Bon retour. Ah, on va aller chez les NJ. Chez les NJ, ok, très bien. Donc, NJ en baston, ça va faire plaisir, ça, par contre. Un magasin ici, on va faire ce point-là, puis le magasin. Encore 15 minutes, ça marche. Peut-être le temps pour moi de perdre. Oui, je suis friendly. Yes, des thunes, super. Oxygène système. Oui, allez. Comme ça, on a un buffer. C'est bien. C'est bien, un petit buffer gratos comme ça, ça fait toujours plaisir. On va aller au magasin, du coup, 109 thunes, c'est pas dingo, mais peut-être qu'on peut trouver un truc sympa. Un burst laser 2, non? Ion Blast 2. Ion Blast 2, ça me chauffe dans le sens où ça pourrait faire tomber des boucliers Zoltan, ça. Ouais, ça pourrait pas être mal. Parce que ça tire toutes les 4 secondes. Ouais, ouais. Si je veux le prendre, ça pourrait être très, très utile. Drone recovery, arme non automatique, drone loader. Ouais, bon, ça aurait été marrant, mais bon. Drone de combat. Ah, je peux avoir que 2 drones. Mais remarque, le boarding drone, est-ce que je vais encore l'utiliser? Ouais, peut-être. Bon, là, du coup, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est à mettre en ligne le Ion Blast. Ça coûte cher. Et ouais, vu que c'est un weak système, ça coûte plus cher dès le départ. Ouais. On verra plus tard. On verra après. Allez, on va partir par là. Se diriger vers l'est. Ok, toujours rien ici. Ah, puis il me faut de l'énergie en vrai. Oh, quoique, non, non, je peux... Non, ça va. Je peux encore m'en passer. Ça me stresse d'avoir des armes ici et qui ne soient pas alimentées en énergie. Alors, donc la flotte est retardée. Donc ça, c'est cool. On aura le temps d'explorer un tout petit peu. Putain, 8 de fuel, c'est pas ouf. Ah bah c'est mieux ça. Ok. Ouais, je vais faire un petit tour d'abord. Allez. Faire distress, repasser par le store et puis se diriger tranquillement vers la sortie. Pas que j'oublie que j'ai le cloaking quand même. Hein. Ah bah le cloaking qui nous sera utile ici. Toujours pas d'infirmerie en face, c'est plutôt bon. Donc par contre ce missile là va falloir qu'on l'esquive gentiment. Allez c'est parti. Bon, on va leur régler leur compte. Voilà, facilement. Le missile a même pas tiré en face. Une formalité. Formalité pour nos amis Métalleux Curieux, Chapeau et Mort. C'est cool, c'est cool. Mort, ouais, il progresse tranquillement en baston. Toc. Le magasin. On va pouvoir se...
se refile un petit peu. Ils font pas grand chose. Laser 2. Ouais, enfin là ça commence à me. Weapon Pregnator, non. Shield Charge Booster, non. Albert Beam, non, non, c'est trop cher tout ça. Parce que là j'ai le Ion Blast 2 à mettre en ligne déjà. Pilotage, non. Non, l'équipage, je peux m'en passer. Pas d'autres magasins. Je vais faire un petit tour. Non, certainement pas. Sans la bête clonage, c'est mort cette quête-là. On ne la fait pas. Trop risqué. Je crois que c'est genre 50% de chance de perdre quelqu'un. Oula, c'était tout juste. Mais nickel. Bien sûr, j'en vois. Mais oui, non, évidemment. Ok, alors on envoie du monde encore évidemment. Hop, encore dans les armes, parce que c'est une grande pièce. NJ, ok. Regardez comme leur vie descend rapidement, contrairement à la nôtre. Voilà. Oh, et en plus on nous répare, fantastique. Très bon ça. Je suis pas mal. Bon alors clairement par contre il me manque cruellement des armes. Parce que par exemple contre le flagship là, ça va être chaud. Ça va être chaud en fait de tout faire à l'abordage, ça va être chaud. Jamais essayé. Nous verrons bien. Je vais peut-être pouvoir me permettre d'upgrader mes armes. Allez, comme ça on met l'Ion Blast en ligne. Voilà, allez on est pénard. Chou rouge avec des lardons en entrée, du poulet avec des pâtes après. Pour mal. Même pas le chou rouge, mais tout le reste, miam miam quoi. Alors si. Civil, oui, comme ça on pourra peut-être tomber sur les magasins, ce genre de choses. Surtout que là, il nous faut du fuel, j'aime pas être en dessous de 10 en fuel. Un appel de détresse, ensuite on peut aller là. Ok. Ouais, je vais faire comme ça. Ah bah tiens, allez. Je trinque avec toi, avec mon petit cacolac, mon cher Nico. Oh la putain, 52 thunes, la vache! Énorme. Ah voilà, je peux passer par là. Ah, je peux contourner la nébuleuse, dis donc. C'est très bien ça. Ah, le fromage, c'est bien le fromage. Puis on a le cloaking, c'est pas dégueu qu'on ait le cloaking quand même, hein. Ah, alors là, c'est chiant, ils ont. Comment dire? Ils ont une medbay. Donc on va auto-fire dessus. On va voir si on arrive à faire tomber les deux boucliers déjà. Je suis pas hyper sûr, mais bon. Allez, c'est parti pour les clonards. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Ah, ils peuvent nous emmerder. Faudrait qu'on mette un troisième bouclier à un moment. Ok, donc c'est bien, on arrive à stun l'infirmerie, donc ça c'est cool. Donc évidemment, il ne faut pas aller dans l'infirmerie, hein, se battre, parce que c'est eux qui vont... Voilà, par contre, si, là on peut, parce que l'infirmerie elle est down. Grâce au... Ion Blast. Voilà! 63 thunes qui se transforment en 69 grâce au Scrap Recovery Arm. Très bon. Très très bon. Ouais, donc vraiment l'Ion Blast 2, miam miam quoi. Limite, ce serait presque cool d'avoir... Ouais putain, il faudrait que quelqu'un aille là-dedans. Dans les armes pour augmenter la cadence de tir. Là j'ai besoin de... Ouais. En fait il me faudra un autre membre d'équipage pour que je le mette dans les armes. Un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal en vrai. Toc. Oui allez, acceptons la quête.
Ah, la quête qui est juste ici en plus, on nous file de l'essence, c'est bien. Poc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas d'infirmerie encore. Hein. Nous avons un équipage humain qui ne va pas faire long feu grâce à nos combattants entraînés. Aguerris même. Alors, le halberd, ce qui peut faire chier, deux boucliers là. Alors, il est où le troisième membre d'équipage là? Voilà. Ok, donc on n'a pas pris de dégâts, c'est super. Tranquillou, 66 de thunes qui se transforme en 72. Nickel. On a plein de thunes là. C'est très cool. J'ai même pas eu à utiliser le cloaking encore. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, la quête. Ouais, on va pouvoir faire ça d'abord. Quête ensuite. J'aurais bien un petit magasin. Maintenant, cherchons le vaisseau rebelle, évidemment. Ok. On va perturber leur cadence de tir, évidemment, en allant là-dedans. Comme ça, l'artilleur est occupé avec nous et ne donne pas ses bonus à sa salle. Profil est mort. Ensuite, le deuxième va mourir, évidemment, paf. Et le troisième. Et il manque encore quelqu'un qui est passé... je crois que c'est Chapeau. Oui, Chapeau est passé maître en baston. Moult thunes encore. 334, c'est génial. C'est pas mal du tout, hein. Et j'ai toujours pas utilisé non plus le healing burst. Alors la quête, est-ce que c'était un piège? Ah non, on nous augmente notre reactor. On nous donne un cran d'énergie, quoi. Une cellule d'énergie détresse, le King of the Baston, exactement Chapeau, tout à fait. Peut-être me mettre un troisième bouclier aussi, ce serait pas du luxe, je pense. Ah! Non, bah voilà, ce genre de truc là, je ne peux rien faire. C'est con, putain, j'aurais eu un drone d'attaque, ça aurait été bon. Mais là, je peux rien faire. Moi aussi je peux Ion Blaster le con là. Mais en vrai ça sert à rien. Je vais juste Ion Blaster ses armes. Donc, 80% d'esquive ça passe. Oh putain il miss le... T'es sérieux là? Ah non ça ne suffit pas, je veux faire tomber celui-là moi. Ah merde, 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 on va se le prendre dans le cul. Les Rockmen, au boulot. Et là en gros je m'en vais dès que je peux. Parce que ça ne sert à rien. Je peux pas le tuer. C'est bon, l'esquive a réussi. Ouais, donc il nous faut vraiment de l'armement, enfin ouais, de l'offensif quoi. Oh! Ouais, bon bah là j'hésite pas. Quelqu'un aux armes qui est déjà maître en armes en plus. Est-ce que ça change vraiment quelque chose là-dessus? 4 secondes. Ouais, bah du coup il tirera plus vite encore quoi. Et en plus, ça me donne un d'énergie en plus, ça c'est cool, comme ça je peux mettre en ligne mon défense de haut besoin. C'est bien ça, c'est très bien. Ouais, j'ai le temps de faire distress exit. Il me faut vraiment un magasin par contre. Oh putain, la tunasse. Oh putain, magasin. Oh, oulala, ça va être très tendu cette histoire, mais allez, j'ai besoin du magasin. Allez, un petit burst laser 2. Ou deux d'ailleurs, hein, moi je veux bien. Non. Stealth charge booster. Scrap recovery arm, non, on n'a pas besoin en vrai. Drone recovery arm non plus.
Un beam drone. Non, il faudra un drone de combat. Il faudrait pas un drone rayon, il faudra un drone de combat. C'est très dommage. Et merde. Bon. Eh ben, ça va être la chienli. Elle tire tellement vite là, c'est ridicule. C'est genre tous les 3 secondes ou un truc comme ça. Allez, désactive-moi ce vilain missile. Voilà, très bien. On n'a plus qu'à attendre que notre FTL soit chargé. Je sais plus si on peut avoir de la DCA ennemie. Mais au pire, je pense qu'on... Ah, putain, j'espère qu'on pourra la cloquer si elle arrive. A priori, il n'y en a pas. On cloque le missile. En espérant que ça passe, ça passe. Là, en fait, ça ne sert à rien de combattre ce vaisseau-là parce que ça nous donnera que 1 de fuel. Donc, en vrai, on s'en fout. On va pas risquer quoi que ce soit pour une si maigre récompense. Ok, la sortie est tout là-bas. Allez. Ça fait déjà 1 heure que je suis dessus, quand même, hein. Ouais, on peut prendre 6 fuel, hein, ça ne mange pas de pain. Oui, allez. Ah, fait chier, putain, un vaisseau automatique à la con. Ouh, drone de combat 2. Va falloir qu'on se barre très vite. Va falloir qu'on se barre très très vite, ouais. Je vais envoyer un boarding drone. En espérant qu'il tombe genre dans les arbres, un truc comme ça. Raté. Très dommage ça. On se barre très vite, d'autant plus que... Aïe 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 aïe. Ouais, c'est pas terrible ça. Oh, popo popo popo. Putain, du feu direct là. C'est terrible, c'est pas terrible du tout. Oh là 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 là. Waouh waouh waouh, putain comment je prends cher là. Pas cool du tout là. Hein. Allez. Oh, putain ils sont en train de crever. Mais enfin je. S'il vous plaît quoi. Quelque chose. Ah, je prends trop cher, c'est trop dommage. C'est beaucoup trop dommage. Oh là là, non, 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 non. Putain, ça se passait bien là. Oh là, putain, il y a du feu partout. Putain, les portes sont mortes, je ne peux rien faire. Oh là là, putain, non, 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 s'il vous plaît. Je vais retourner à un point déjà exploré, histoire de finir de réparer là. Putain, c'est pas bon ça. Très dommage. Très très dommage. Allez, les portes là, vite. Au moins, personne n'est mort. Ok. Oui, forcément, sinon il ne monte pas à la medbay. Thank you.
nous faut des armes. Pas de secret, j'ai pris beaucoup trop cher. Il nous faut des armes. Je vois pas de magasin. Ça marche, chapeau. Bon app, à plus. Ah là là, putain, perdu trop de points de vie là. Oh. Pardon. C'est quoi cet armement là? Ah putain, on va se faire aborder. Ok. On va envoyer un drone de boarding. Ah putain, non. Un drone de défense. Ça suffira pas à tout contenir, mais... On va attendre qu'il nous aborde. Toc. Et c'est parti pour le cassage de gueule. Allez. Putain, ça va être chaud. Donc là, on essaie d'esquiver les deux missiles. Très bien. Il y a le troisième qui va tomber aussi. Normalement, il devrait être géré par notre drone de défense 1. Putain, non mais par pitié, quoi. Allez, les portes, super, on adore ça. Hop, allez, je vais envoyer nos gars là-dedans. Merde, je vais pas pouvoir esquiver ça. Ok, c'est bien. Où est-ce qu'il... Il est où le... Ah, ils sont là. Ah putain, mais non, c'est la medbay. J'avais pas vu qu'ils avaient une medbay. Putain, plus de bouclier, plus rien là. Plus du cul. Mais faites-moi crever ces connards! Plus vite que ça, je vous en supplie, quoi. Ok, c'est bon. Commence à devenir tendu cette histoire. Hein. Faut que je mette un troisième bouclier. Je suis con, j'avais oublié. J'avais dit que je le ferais en plus. Terrible. Oh putain, j'ai pas vu ma vie. 4 points de vie. C'est tendu. Je vais pas la finir cette run. Je vais pas la finir. Ok, ok, ok. Toujours pas de magasin. Je dois me réparer d'excessive urgence là, s'il vous plaît. Oui, magasin. Double magasin. Oui. Oui. Je vais même faire une entorse à ma petite règle et me réparer entièrement. Drone antipersonnel, drone de défense 2. Système rep. Je
vais vendre le drone d'abordage et me prendre un drone de réparation. Je pourrais les mettre les deux ensemble en ligne s'il faut. Je ne vais pas acheter autre chose parce que de toute façon il n'y a rien à acheter d'intéressant. Non. Mais il y a un deuxième magasin. Donc on va faire distress, store et éventuellement l'autre point et la sortie. Donc le magasin, allez, pitié des trucs intéressants quoi. Un petit burst laser 2, je demande pas grand chose. Hein. Niquez-vous. Putain, un deuxième Ion Blast 2. Ah ouais, mais enfin, ça ferait 6 d'énergie, non. Reverse Ion Field, pourquoi pas. Putain, le Pike Beam. Deux d'énergie. Je prends le pack bin. On va essayer comme ça. Un drone de combat. Non, je vais. Tant pis, je vais faire comme ça. Pas mettre en ligne mes drones quoi. On verra ça après. Bon, je commence à avoir une petite force de frappe, mais vite fait quoi. C'est pas dingo, heureusement de l'Ion Blast, bah ça blast quoi. Ah, dommage. Dommage, si j'avais 45, je pense que j'aurais pris Maxime ici présent, petit maître en bouclier. Parce que molette. Oh, quoique, non. Non, pas de regret. Rock'em Worlds. Putain, on arrive au secteur 7, hein. Distress. On va faire celui-là d'abord. 77 de thunes, très bien. Aïe. Niquez-vous. Infirmerie, mais ils ont de la TP, donc on va peut-être attendre Ion Blast là-dedans. Et on verra pour le Pike Beam quand il sera ready. Mettez le chapeau, vous allez aller vous occuper de cet intrus. C'est très bien ça, très très bien. Le Pike Beam est ready, mais les boucliers reviennent en ligne très vite en face. Putain, allez! Voilà. Le pipe beam, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça fait le taf, hein. Ah, t'as pas été chercher de bière. Ah ouais, putain, merde, relou. Allez, cassez-moi la gueule de ce connard. De ces connards. Nickel. All Smasher Laser Mark II. Ok. Je pense pas que ce soit super intéressant, mais bon. Alors, allons voir ici ce qui se passe. Un vaisseau rock. Avec moult armement, toujours pas d'infirmerie, hein.
Ah merde, putain, mon... ma TP, là. Hop, voilà. Alors, ouais, là-dedans... Pour faire chier l'artilleur. Le temps que l'autre arrive, le premier est déjà mort. Ah putain, j'avais pas vu la petite bombe. Qui tape le... Putain, le cloaking, ça fait chier, ça. Bon, tant pis, on va se démerder sans. Je prends le temps de péter les armes parce que ces armes m'emmerdent. Mais jamais ils les cassent les armes là. C'est fou cette résistance là. Je comprends pas. Voilà. Ah ça ils l'ont cassé enfin. On a re de la thune. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe autour? Ouais, pas de magasin pour l'instant. Dommage. Ah, magasin. Je vais faire ce point-là avant, en espérant que ce ne soit pas le, le point de trop. Oh bah tiens, du cloaking, laser, Albert Beam, d'accord. J'ai plus que 6 d'essence, là, moi. Alors, il n'y a pas d'infirmerie, encore une fois. Hein. Ion Blast, on va le faire blaster là-dessus. On a 3 Rockman, dis donc. Allez, c'est parti. Hein. C'est bon, le Albert ne pénètre pas nos boucliers, super. Voilà, on casse leurs clos, qui ont pète un peu leurs boucliers, c'est très bien. Alors où sont ces... Où est le dernier... Ah oui, forcément, les portes qui nous font chier. C'est bon. Où est le dernier? JPP. Ah, il est là. Il est là, le petit bâtard. Voilà. Burst Laser Mark II. Oui. Oui, putain. Et Morte qui devient maître en baston. Voilà, là, on commence à parler. Très bien, ça. Ça coûtait un peu cher à mettre en ligne, là, maintenant, mais... Burst Laser 2. Yes, putain. Ouais, de toute façon, le Link Burst, on s'en sert pas. Laser 2... ah oui, c'est vrai que ça tire 3 fois, quand même, c'est pas mal. Hein. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle, ça. Paf, est-ce que je peux me permettre de mettre... Du coup, il manque quoi? Il manque 2... Je ferais ça... Ça... Attends, j'accepte, déjà. Ouais, s'il me faut l'énergie à balle. Hein. Voilà, donc là, on commence à avoir une petite puissance de frappe. Très bien. C'est cool. Plus trop de tunas là maintenant, mais... Ah putain, il y avait le magasin à côté. J'avais oublié. Quel abruti. Bon, faut que je me fuel déjà. Voilà. Tac, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et bah on s'en fout. Donc bon, pas de regret. Je vais vendre le Hull Laser 2, je vais vendre le Healing Burst.
Ouais. Et je vais mettre. Peut-être mettre. Est-ce que je mets un d'énergie quelque part? Faut que j'augmente mon esquive par contre. Allez, on va essayer de se dépatouiller comme ça. Alors, donc déjà, on va essayer de stun ça, même si j'y crois pas des masses, avec un burst laser 2 en même temps. Non, il s'agirait de ne pas faire crever le vaisseau pendant que nos gars sont à l'intérieur, sinon je rage quit direct. Je l'annonce. Voilà, très bien ça. Ah oui, ils sont morts. Très bien. En même temps, avec 3 mètres en baston, ça va vite. C'est cool. En ce temps-là, le vaisseau continue à péter en face. Oui, bah sorti, oui. Faut de la thunasse là. Ah hein. Oh, putain, il y avait un magasin. Ouais, mais là c'est trop tard. Bon bah, secteur 8. Secteur 8, bon. Je ne sais pas si ça va vraiment bien l'effectuer. Oh putain, par contre, je peux me faire du repair là. Éventuellement, je peux en faire 2 avant d'aller à la base. Celui-là, je vais faire l'impasse. Ça va me donner un peu de sous. C'est pas plus mal. Et puis voilà, du reste, hein, évidemment. Toc, ensuite la base, enfin ensuite le repair et puis base, on va attendre peinard le flagship. Ah, alors. Oula, putain, 2 drones, mes couilles. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ok. Ok, super. 78, oh la vache. Paf. Voilà, comme ça on fait 2 repairs. C'est pas dégueulasse. La base. Et puis on va voir ce qu'on peut augmenter. Alors. Un coup dans les portes, déjà. Qu'on pourrait upgrader, qu'est-ce qu'on pourrait upgrader? On a déjà un buffer sur l'oxygène, ça c'est cool. Peut-être un buffer sur le camo, éventuellement. J'aurais bien mis un buffer sur les armes aussi, mais là sans. Ouf. Drone de défense 1, il va pas des masses servir parce que le flagship il envoie des salves de missiles. Buffer sur la TP. Eh ben, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. En vrai, je suis déjà content d'être arrivé au flagship.
c'est déjà une victoire partielle. Allez, c'est parti. Allez, oui, vas-y, Cloak, c'est ça. Sérieux là? Merde. On a mis ici dans le cul. Oh putain, yes, des esquives. Superbe. Ok. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'infirmerie, je suis con. C'est pas terrible là. Alors, ah! Merde, putain, juste quand il fallait pas. Très dommage ça. Faut que j'envoie deux mecs dans les missiles. Je suis obligé. Putain de merde. Ok. Pas d'autre choix là, mon armement est pas suffisant pour péter le missile comme un grand. Aïe aïe aïe. Bon, les caméras, c'est pas grave. Très bien. Missile down. Aïe. Faut que je pense à envoyer mon beam aussi, peut-être un jour. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors il fait un peu chier quand même. Hein. Je vais envoyer... Je vais envoyer métalleux et chapeau dans... Dans le triple laser à la con, là. Il est trop tard pour le bim... Ah bah de toute façon, je ne pouvais pas l'activer. Très bien. Thank you.
Bon, les armes qui nous emmerdent le plus déjà sont down. Pas dégueu. Ah putain, j'ai un bouclier en moins, dis donc, j'avais pas fait gaffe. Oui, parce que j'ai défense 2 qui est en ligne. Toc. C'est longuet, hein, c'est longuet. Il faut pas que je tue tout le monde, sinon ça passe en mode IA, et là c'est la merde. Putain, non mais s'il te plaît, quoi. Backbeam, il fait pas beaucoup de dégâts, par contre il trace, quoi, c'est ça qui est bien. Oh, bien. Je vais toucher un petit peu. Cool. Bien. Voilà. Allez, première partie, c'est fait. J'ai peur qu'il y ait l'IA, par contre. J'ai vraiment peur de ça. Allez. Ok, donc là c'est l'avalanche de drones. Je vais envoyer 2 de mes gars dans les missiles, hein, je vais pas faire comme tout à l'heure. Et puis c'est vrai qu'en plus il n'y a plus personne aux commandes, donc ça c'est très très bien. Bagging qui n'est pas prêt encore. Serge qui arrive. Très bien. Ok, alors la Power Surge, on va la cloque tranquillement. Voilà. Wait. Remettez-le. Ok, donc là on pète les drones, c'est cool. Drone de défense, en vrai on en a plus besoin là maintenant. Toc. Ensuite on va pouvoir renvoyer Métalleux et Chapeau dans dans le laser à la con. Ça, on va pas se faire chier. Backbeam. Ok. Je vais vite, vite, vite le cloak. Bon, quoi que. Si, c'est vraiment utile. Hop là, je cloak maintenant. C'est pas génial comme timing, mais au moins un. Voilà. Ah, tiens, mon défense, il est mort. Drone de défense. J'ai réussi à avoir le live sur mon téléphone, mais la co était pas assez bonne pour le chat en plus. T'en fais pas, Metal. T'en fais pas, mon petit bonhomme. Ouais, non, putain, il fait chier le drone de défense, là. C'est lui qui prend les ions. Quelle connerie. Bon, c'est pas grave. Si je fais ça, est-ce que ça va changer la donne? Je ne sais pas. Oula, putain. Plus de bouclier. Alors nos copains là ils ont fini de tout casser, c'est très bien. Ok, la Power Surge, je vais pas pouvoir la cloak. Spammer le drone commande. Ouais, alors après le truc c'est que j'ai pas forcément envie de tuer des gens, mais ouais ouais. Ouais, t'as pas tort. Ok, ça va être chaudard. Ok, de l'esquive, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouah, ça c'est moins drôle.
Oui, tu n'as pas tort, en effet. En effet, en effet. Oui, bah voilà. Ça s'est vérifié instantanément. Mais là, du coup, ils font chier. Voilà, cassez-vous. Cassez-vous. Voilà. Ah putain, mon pipe beam, il est décédé. Je l'ai pas vu. Chier. La vie qui est bon. Tac, il reste plus que un point de vie. Ok, on est bon. Phase 2 réglée. Perdu un peu de points de vie quand même, hein, dans tout ce merdier. Il me reste 36 scraps, je peux mettre un buffer sur un drone. Ah non, je peux m'acheter un point d'énergie, ça c'est plus important. Je suis bien, je suis bien. Ouais, je suis pas confiant de ouf encore, hein, mais bon. J'ai un d'énergie, à quoi est-ce que ça me servirait, je ne sais pas. Ah si, à mettre un défense drone en ligne éventuellement, mais bon. Si je m'occupe des missiles assez rapidement, ça devrait l'effectuer. La face est la plus simple, oui. Bah déjà je vais faire le kidnapping, hein. Clairement je vais pas m'emmerder. Avec 3 mètres en baston, je vais juste pas me faire chier quoi. Ah putain c'est vrai qu'il y a le bouclier isoltant, dis donc, j'avais oublié ça. Oui, kidnapping. Kidnapping direct. Alors est-ce que je suis greedy? Non, je vais m'en aller juste après. En vrai, je vais m'en aller juste après. Power Surge en plus qui... Ah. Power Surge qui arrive. Ça va être chaud. Wouah! Allez, vite. Ouais, la belle esquive quand même, hein. C'était joli. Beaucoup de chance. Ça va l'effectuer, allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit. Prions tous les dieux du chaos, et Nurgle en particulier, parce que c'est le plus dégueulasse. Allez, viens là, connard, viens là. Je t'attends. Alors, évidemment, bouclier Zoltan de ses grands morts. Hop. Ouais, j'ai toujours mon 6 rep qui est là. Bon, allez, 6 rep va rester là. Oh, il te téléporte dans ma bête TP, dis donc. Bah, tu vas crever, en fait. Voilà. Dis donc. Oh mais t'as lu, il a pris quelques dégâts quand même, hein, c'est pas cool. Voilà. Voilà, bim bam boum, très bien. Hop là, les missiles, ouais je vais les esquiver quand même. Je vais envoyer du pipe beam dans son cul, histoire de rogner le bouclier Zoltan, là, qui est comme très important pour le flagship. Gros quoi. Paf, ok très bien. Maintenant, Mort, tu vas par là. Mets-toi le chapeau, les missiles, hop. Allez, de l'esquive là, s'il vous plaît. Ah, on a pris un dégât. On a pris un dégât. Oh putain, par contre, les triples missiles là. Je ne peux pas les cloak. Oh, et on les esquive tous, parfait. Superbe. Ok, c'est une affaire qui roule pour l'instant. Petit laser, on les évite. Le pike beam. On va envoyer là-dedans. Voilà, la Power Surge, je vais pouvoir laisser la cloquer. Oh putain, et pile avec les missiles qui arrivent. Merveilleux. Et voilà, Metal et le chapeau se sont occupés des missiles, c'est parfait. Pas besoin de se soigner. Le pike beam qui est presque en ligne. On va le refaire cogner, genre là. C'est pas terrible. Oui, là c'est mieux. Voilà, plus de bête TP en face, parfait. Moi je ne peux pas encore utiliser ma téléportation.
En vrai, j'ai même pas besoin de me téléporter. Je vais. J'ai pas envie de perdre mon équipage. Ce serait quand même un peu dommage. Là, en fait, ça va le faire. Non, c'est pas nécessaire. Incroyable! Incroyable! Bravo à Métalleux Curieux et Chapeau, nos fidèles guerriers, Mavou, notre pilote, Gigabang, notre Rockman, Mort, Melette et Bovi. Et c'est le GG. Yes, putain, je suis super content. J'allais dire oui avec ma première run avec le Mantis B. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que j'ai recommencé deux fois. Mais yes, putain, c'est cool. C'est grave cool. Alors, je ne me place pas dans, le dans les high scores. Ah si, c'est là-dedans, je suis con. New Victory, voilà. Ah oui, non, ah oui, c'était mon quatrième essai, en fait. Hein. Donc, un score de 20, de 30, de 82. Oui, le Confinementis, oui. Confinementis 3, voilà. Et ouais, putain, c'était chaud. Ok, ok. Et eh ben, c'était grave cool. C'était grave cool, je suis très content. C'est quoi le... While using the Mantis Cruiser, kill the last enemy with your... Your last crew member. Pff, voilà, quelle horreur, quoi. J'ai tellement pas envie de faire ce trophée. Faut que je me renseigne pour savoir comment est-ce qu'on débloque les autres vaisseaux quand même. Parce que là, le Kestrel C, je ne sais pas comment on le débloque. Voilà. Celui-là, le. Putain, le Vortex, je sais même plus si je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait, le NJB. Du coup, le Mantis B, maintenant c'est bon. Oh putain, le stealth. Oh, quelle horreur, ce truc. Le stealth n'a pas de bouclier, par contre il a du cloak. Mais il a pas de bouclier. Oh, il a un glaive beam quoi, c'est sympa. Ouais. Putain, 4 basiques laser quoi, je sais même plus si je l'ai fait, si je crois pas. Ok, Ah si, attends, le Kestrel. Si, le Kestrel je l'ai fait. Ah putain, j'ai pas le layout B du vaisseau Beat. Ah oui, il faudrait que je tue un ennemi juste avec le artillery beam, ok. D'accord, pourquoi pas. Tiens, pareil, le Zoltan, j'ai pas le B. 29 d'énergie, d'accord, c'est violent. Ok. Du coup, bah celui-là, c'est bon, je l'ai fait. Le Slug. Putain, oui, j'ai aucun trophée. Without functioning sensors. Je sais plus comment on fait ça. 30 nébuleuses avant le secteur 8. Ah putain, ça me force énormément les nébuleuses, merci. Tuer 3 ennemis avec un seul tir de anti-biobeam. Putain, quelle horreur, le rock. Crew kill a burning enemy. Un airship. Putain, faut que je mette le feu et que j'aille tuer les. Enfin, que. Et que j'envoie les gens. Oh là là. Quelle horreur. Ok, nous verrons cela. Nous verrons cela. Ouais, non, ils sont super hardcore, mais grave. Mais en tout cas, je suis très content. Ça s'est plutôt bien passé. Les débuts étaient un peu chaotiques. Hein, j'en suis à 108 heures sur FTL. Les débuts étaient un peu chaotiques, mais au final, ouais, une fois que c'était parti, une fois que c'était bien lancé, bah, ça l'a effectué, quoi. C'est cool, je suis content. Je suis très content. Sur ce, bah, je vais aller manger, parce que je pensais finir bien plus tôt que ça, en fait, ouais, ça m'a pris 1h15. donc zou, je vous fais des bisous à ceux qui sont encore là, merci d'être venu Nico, et merci mon gars, et je sais pas si ce soir je referai un truc, si j'en refais un, ce sera tard, après que Bambi soit allé se coucher, mais voilà, je suis vraiment pas sûr du tout, dans tous les cas, on se voit bientôt, et je vous fais des bisous, et merci d'avoir été là, et au revoir.